Aujourd'hui, nous signons la passation. C'est un moment de grande importance. À partir du 1er septembre 2021, notre établissement, qui était géré par une société de droit local, Collegio Francés de Reus, passera à être géré par la Mission laïque française. De ce fait, dans ces temps difficiles, la pérennité du Collège français international de Reus, Marguerite Yourcenar, est assurée. Nous devenons lycée et nos élèves quitteront l'établissement pour rentrer à l'université en juin 2023. C'est une façon pour nous de resserrer encore plus les liens entre la France et la Catalogne. L'enseignement français, sous les formes d'aujourd'hui, peut s'adresser à des enfants du monde entier, à des enfants catalans en particulier, et si les familles le souhaitent, les mener dorénavant jusqu'au baccalauréat. Nous nous engageons vraiment sur un projet de développement de cet établissement ouvert à la culture, à la langue de la Catalogne et ouvert à l'international. Aquest reforç del lligam entre Catalunya i França, de la llengua francesa, però sobretot també aquest impuls per la internacionalització de l'educació. És un plaer també pels pares poder comptar amb aquest moment i la presència nostra és... formem part de l'escola i ens sentim així. La force de cette association, de cette magnifique association à laquelle maintenant nous appartenons pleinement, et je pense que nous tous, nous sommes fiers et nous serons prêts à faire honneur à ce nouveau parcours qui s'offre à nous tous. Merci à vous tous, merci à vous tous, merci.